l'époque, il faut savoir que chaque studio projetait ses films dans ses propres salles. Par exemple, dans une ville, tu avais le cinéma Fox qui projetait les films de la Fox, le cinéma Paramount qui projetait les films de la Paramount. Et donc, il y a eu pléthore de salles assez spectaculaires construites principalement dans les années 20. Par exemple, celle-ci a été construite en 1928. Très peu de temps après, il y a eu la crise et finalement, on a arrêté de construire ces auditoriums finalement grandioses. Fallait impressionner son public. Et c'est vrai que cette course entre les grands studios produisait donc des théâtres de plus en plus fabuleux. D'autant plus qu'en fait, ce théâtre ne se signale pas du tout par son extérieur. C'est-à-dire que c'est un bâtiment au centre-ville de Brooklyn qui a une tour de briques assez quelconque. Et rien n'annonce en fait cet auditorium immense. Chaque studio avait ses propres salles. À partir de 1951, ils ont arrêté ce principe-là. Et du coup, les films tournaient de salle en salle. Donc ça a accéléré le déclin avec donc l'arrivée de la télévision dans les foyers en l'espace de moins de 10 ans, je crois, de 1950 à 1960, pratiquement 90% des foyers américains avaient une télévision. Finalement, cette salle a eu de la chance, parce que beaucoup à cette époque, d'autres grandes salles comme ça ont été démolies. L'université de Long Island avait quelques bureaux et salles de classe déjà dans le bâtiment qui était attenant. Et il se trouvait qu'ils avaient cette salle énorme. Quand la salle a fermé en 1962, ça a été immédiatement reconverti en gymnase, quoi. Enfin, moi j'aime bien le basket, donc j'aurais bien aimé pouvoir raconter que je joue au basket dessus. et je suis sûr qu'on joue très bien d'ailleurs dans cette salle. On ne peut jouer que très bien dans ce décor. Je pense qu'on est grandiose. Et donc on avait ce mec là qui nettoyait la salle pour des événements qui avaient pas vraiment l'air d'avoir lieu, et d'ailleurs ils se murmurent qu'ils vont tenter d'en refaire une salle de concert. Donc voilà, après quasiment plus de 50 ans d'utilisation comme gymnase, ils pensent très sérieusement à leur habiliter dans les 2-3 ans à venir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça leur a permis de le maintenir et de le sauver en quelque sorte.